En bas. Il ne pensait pas que c'était à lui. Il allait tirer ce corner. Corner donc tiré par Pascal Zaramba. Il y a 7 Parisiens dans les 16 mètres. Long corner pour la tête de Luis Fernandez. Le mou à nouveau Zaramba qui n'est pas hors jeu. C'est bien joué, il peut centrer instantanément. Voilà qui est fait pour Toko. Reprise acrobatique de Toko et but. Super, deux buts de Toko. Il marque son deuxième but dans ce match et qui à l'instant même vient de qualifier provisoirement car il reste encore 9 minutes. L'équipe de PSG, c'est fabuleux. Georges, vous êtes en bas. Oui, oui, je suis en bas, on ne parle pas beaucoup et le pauvre Toko ne peut même pas articuler ses mâchoires, vous le devinez. Hein. Voilà, il y a même Kist qui converse avec monsieur l'arbitre. Georges Perroche, un grand moment. Hein. Oui, Georges Perroche ne pense plus qu'à son match, je le comprends. Et nous revoyons ce but de Toko, un but à la brésilienne. Ah oui, une action technique superbe, un petit chef-d'œuvre de technique signé Toko. Qui est parfois maladroit et qui est parfois est véritablement brésilien. C'est tout ou rien, ce soir c'est tout pour ce joueur, c'est vraiment une très très belle image. Ah, je crois que quel que soit le résultat, et souhaitons